Bonjour Audrey, bienvenue chez Kinver. Je te propose qu'on aille à l'intérieur pour te parler un peu du process de recrutement. Très bien. Donc voilà, ici on arrive dans notre hall d'accueil. Je vais me présenter donc rapidement. Je m'appelle Lucie Guinel, donc je travaille au service RH depuis maintenant 12 ans et je suis en charge du recrutement. Et je suis Audrey Renaud, responsable méthode montage depuis 2 ans chez Kinver. Ce que je te propose, c'est d'aller dans un petit box où on fait habituellement nos entretiens de recrutement. Ça marche. Donc Audrey, ce que je te propose, c'est d'expliquer rapidement comment se passe notre process de recrutement chez Kinver et puis comment on fait pour rejoindre notre équipe à Châteaubriant. OK. Pour commencer, le plus simple, c'est de postuler sur notre site internet, donc dans la rubrique carrière. Dans le cas où ta candidature est retenue, donc on te contacte pour échanger et fixer un premier rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous, tu rencontreras une personne en charge du recrutement. On t'enverra également notre questionnaire de recrutement qui s'appelle Predictive Index. Dans le cas où l'échange est concluant, on te fixe un deuxième rendez-vous avec le N+2 et la directrice administrative ou la responsable du personnel et on peut éventuellement te faire visiter l'usine. Dans le cas où ces deux rendez-vous sont concluants, on te recontacte afin de te proposer de rejoindre nos équipes. On t'envoie une lettre d'engagement. Si tu nous la retournes donc signée, c'est à partir de ce moment qu'on confirme ta prise de poste. La responsable du personnel prendra ensuite contact avec toi pour organiser ton arrivée dans l'entreprise. Voilà, donc c'est comme ça qu'Audrey est arrivée dans l'entreprise, comme tous nos salariés. Audrey, je te propose qu'on aille dehors pour parler un peu plus de ton parcours. Ça marche. Donc Audrey, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes principaux moteurs de ton envie de rejoindre l'entreprise ? Pour commencer, Kinver, c'est une entreprise à taille humaine, mais qui fait partie d'un grand groupe de plus de 6000 personnes. Et du coup, l'intérêt, c'est d'avoir les services à proximité, mais tout en ayant l'appui du groupe. D'accord. Ensuite, c'est l'importance du produit sur lequel on travaille. On peut voir qu'on a des super machines qui sont utiles à la société et qui sont vraiment challengeantes à industrialiser. Et le point essentiel, c'est le dynamisme des investissements, d'avoir des améliorations industrielles envisageables. Avoir des gros projets, des beaux projets, c'est vraiment une source de motivation. Si tu veux bien maintenant, Audrey, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers jours en entreprise et de ton intégration ? Tous les collaborateurs prennent part à l'intégration du nouvel arrivant dans l'entreprise, qu'il soit directement concerné ou non par ses activités. Dès notre arrivée, il y a un parcours d'intégration qui est organisé. Chaque service prend part à ce parcours et intègre le nouvel arrivant, lui présente ses activités et les interactions potentielles avec lui. D'accord, et concrètement, ça sert à quoi ? Ce que ça apporte, c'est que de créer du lien déjà avec les différents salariés, d'avoir un sentiment d'appartenance, de comprendre le fonctionnement de la société et puis de pouvoir travailler dans une ambiance conviviale. Et donc aujourd'hui, Audrey, quel est ton ressenti 2 ans après ton embauche ? Par ma fonction, en fait, je suis au contact avec beaucoup de services dans l'entreprise et ce parcours d'intégration m'a permis d'aller chercher l'information au bon endroit, d'être autonome et du coup efficace plus rapidement. D'accord, et par rapport à tes expériences passées ? C'est la première fois que je vois un processus d'intégration aussi poussé et ça, c'était vraiment une bonne surprise. Et donc Audrey, quel conseil tu donnerais à un futur embauché qui arrive chez Kinver ? Surtout de ne pas hésiter à poser des questions, plein de questions, d'être positif et de rester naturel. Donc pour conclure, Audrey, comment tu décrirais notre entreprise en 3 mots ? Le premier mot, je dirais que c'est une entreprise qui est bienveillante. En deuxième, dynamique par ses projets. Et puis une entreprise florissante. Super, merci beaucoup Audrey pour ton retour. Donc maintenant, vous savez désormais tout sur comment on intègre les nouveaux arrivants chez Kinver et comment on les accompagne. N'hésitez pas à aller sur notre page carrière pour postuler. Nous avons hâte de vous accueillir.